Petits amis. Bonsoir. Coin, coin, coin. Mais qu'est-ce qui te prend, nounours? Yaou. Bah, voyons, patron, je répète les devinettes que je vais poser à Nicolas et Pimprenelle. Ils adorent mes devinettes. Elles sont bonnes, vous ne trouvez pas? Oui. Je les ai bien répétées. Miaou, mon échelle, et hop, pom 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 pom. Tu entends, Nicolas? Oui, une chèvre tombée du ciel. Entre, Biquette. Vous vous trompez, c'est moi, Nounours. Je suis fort, hein? Oh, tu peux le dire. Et j'en connais des meilleurs encore. Vas-y. Devinette d'animaux. Cocorico. La poule. Non, trompé. Le coq. Ouais. Une meilleure à présent, plus difficile. Une voiture de pompiers. Oh voyons, les pompiers ils font pimpon. C'est un animal, je le refais. J'ai trouvé, le pingouin. Oh presque, c'était le canard. Une plus difficile. Oh, vous n'êtes pas doué. La souris, elle fait... C'est la vache qui fait... Et l'âne, il fait... Ah, ça, c'est le pipeau du marchand de sable. Qu'y a-t-il, patron? Nicolas et Pimprenelle se sont endormis, nounours. Oh, comme deux petites marmottes, les deux chéris. Pas besoin de sable pour Nicolas et Pimprenelle, patron. Pour les autres enfants, alors? La prochaine fois, j'imiterai des animaux sauvages, ils ne s'endormiront pas. On y va, patron? En route. Au revoir, les enfants. À demain.